voyage agréable, sain et rassurante. Et je tiens également à préciser que l'aéroport d'Isaac-Mogador a obtenu l'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports, l'AHA, c'est Airport Health Accreditation, et ce, après bien sûr un audit du Conseil international des aéroports, de tout le dispositif sanitaire mis en place par l'aéroport et qui concerne tous les aspects relatifs à l'accueil des passagers. Il y avait combien de personnes sur le vol? Alors, normalement, le vol est avec un remplissage à plus que 90% de remplissage à l'arrivée. Donc, est-ce qu'il y a est-ce que la demande des passagers pour venir à l'aéroport, à la ville d'Essaouira. Donc, le remplissage est très élevé concernant ce vol d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est le premier vol. Il va y avoir d'autres vols en provenance? Justement, ce qui est prévu dans le mois de juin avec la compagnie Ryanair, il va opérer avec un vol, parce un vol en provenance de Bruxelles, donc avec une fréquence en mois de juin, tous les samedis, et en juillet-août avec deux fréquences hebdomadaires. Et de même en octobre avec deux fréquences hebdomadaires. Et il va ajouter une autre ligne en provenance de Marseille avec deux fréquences par semaine au mois de juillet et mois d'août. Très gentil, monsieur Voilà. Et il y Dupuy. a une autre compagnie avec la planifier dans son programme prévisionnel du vol, la compagnie Transavia. Donc il va faire. Il va opérer à l'aéroport à partir du mois de septembre avec trois fréquences par semaine au mois de septembre et octobre. Là, c'est juste un programme prévisionnel de la compagnie. Merci pour l'organisation. C'était un très bon voyage avec l'avion. Je pense que